Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On S'en Parle, politique fédérale, politique provinciale et même politique américaine. Je vais la mettre dans ça parce qu'on a M. Trump, je crois, qui est président des États-Unis, qui fait les manchettes depuis qu'il est, qu est au monde, mais en tout cas disons, depuis qu'il est président <laughs> de la nation américaine. Alors voilà des sujets que nous allons traiter avec mon évité et analyste politique qui en est à sa première visite en 2020 déjà. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, Maître Marc Lemay, Maître Marc. Bonsoir. Bonsoir, bonne année et bonne année, bonne à, année vous. à vous tous, et tous également. Vous oui. euh, on va commencer avec la politique américaine. Ça allait bien. Là. Ça allait bien, en mais fait. ça, ça va bien ça, pareil c est, c est parce okay. que Monsieur Trump, c'est sûr que. Mon opinion personnelle, et je peux la donner, je ne suis pas baïonné ici moi, du tout, mais c'est un monsieur, bon, je, il faut l'appeler monsieur. Il est quand même le, hein, le président, oh, le président de, des États-Unis, de, hélas. Des États hélas. Euh, mais euh, je sais qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et d'en parler parce que monsieur Trump fait les manchettes à tous les jours et il va continuer à le faire jusqu'à la, à la présidentielle en novembre 2020 et après aussi parce que mon petit doigt me dit que probablement il va être élu. Par parce que sa cote de popularité demeure toujours à 40 quelques pourcents et c'est assez pour euh, avoir un autre euh, terme à la Maison-Blanche. Mais là, on va parler, et très vite, là, on n'ira pas en, en profondeur, mais on commence là, euh, avec la destitution. Ouais. De ouais. M. Trump, qui, soit dit en passant, ne sera pas destitué parce que c'est le Sénat qui a le dernier mot et le Sénat est républicain. Donc, on ne votera pour contre son, son chef. C'est clair, clair, clair. Mais, clair. En gros, c'est quoi exactement? C'est quoi le. Le, le procédé, puis s'il ne ah, sera pas destitué, est-ce que c'est une perte de On ne peut pas dire un certain de temps, oui? Je vous dirais. Je vous dirais... Bon, alors, commençons par le début. Une chance qu'un président des États-Unis ne peut pas avoir plus que deux mandats. Oui, ça, oui exactement. Ça, c'est déjà oui. ça de régler. 8 ans, huit ans, puis, puis j'espère qu'un jour, ça va venir ici aussi. Oui, mais, ça des... est mais On sais, est loin de 30 C'est une autres. autre discussion. Mais quoi que nous autres, au Canada, c'est rare que les premiers ministres ont fait plus que trois mandats. Oui, c'est ça. qui fait à peu près 10 ans, 10, 12 ans, 11 ans. Une fois qu'on aurait ça. Aux États-Unis, l'impeachment ou, ou le, 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 un procès en destitution mm -hmm. d'un des, président, ça peut se faire à plusieurs conditions, dont une qui est très importante, c'est-à-dire que le président aurait, aurait, en cours de mandat, donc faut il faut qu'il soit président, aurait transmis des informations secrètes du gouvernement américain à une autre nation. Bon. Mm -hmm. J'essaie mm -hmm. de. Okay. J'essaie d'être explicite, là, pour pas. Puis je vais pas passer l'après-midi là-dessus, puis non, la soirée, non. là. Non. Mais cela étant. Dans le cas qui nous occupe, ce qui semble s'être produit, ce qui semble s'être produit, c'est que M. Trump, lorsqu'il était président, aurait téléphoné à son, à, à, au premier au, pré, au premier ministre ou en fait au président de l'Ukraine pour dire au président de l'Ukraine "Écoute, il y a un oiseau chez nous qui ouais. veut se présenter contre moi, qui s'appelle Joe Biden. Tu peux tu faire une affaire. Check, it, check. moi, ouais. Fais Chut. donc une petite enquête. une petite enquête sur vrai. lui. Puis ouais. euh, tu me tiens, tu me tiendras au courant. Puis nous autres, en, 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 en considération, bien, on va vous aider à vous armer contre la Russie. Là, là je viens de tourner les coins ronds pendant la guerre, mais, mais c'est ça pareil. C'est ça, oui. Alors, le principe, c'est il faut qu'il y ait une acte d'accusation. Une acte d'accusation, et c'est assez particulier, j'ai suivi ça pas mal, vous voir comment ça, ça fonctionnait, parce que la dernière fois où on a eu. Une, une tentative de destitution, c'était avec un nommé Clinton, oui. et, mais ça c'est mort au feuilleton. Et ça va mourir de, ici. C'est ça. De, qui a fait les manchettes dans, dans le bureau, Val. C'est ce exactement hein. ça. Avec Mme Monica, Monica, Il y, Bonica, y avait Bonica, ça oui. fumé oui. le cigare. Bon, <laughs> cela était Là, ce qui nous, ce, le, le, le procès en destitution a toujours lieu au Sénat. Et c'est les 100 sénateurs qui décident tous les 100. Il ne faut pas oui. qu'il y en manque un, à moins qu'il soit mort. OK. Oh, présent, présent, présent. Il faut qu'ils soit tout, tout et tous, tout, tout et tout, au pluriel, présent. Okay. Tout, c'est tout. Okay. Et c'est présidé par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis. Ça, c'est la Cour la plus la haute. La plus haute. Peut... Okay. Alors, okay. lui, okay. il est assis en haut, puis il y a 100 sénateurs, et après ça, il y a l'accusation. La, il Ils sont en 7 ou 8 ou 9 là, qui accusent le président, et c'est décidé par le Sénat. On va régler ça vite. Vous avez tellement bien dit ça tantôt. C'est tout à fait exact. Le Sénat étant majoritairement républicain. c'est clair du côté de que M. ça va Trump, mourir. Oui, et là ils sont en train de se chicaner, le chicaner au cours des derniers jours afin de savoir quelle procédure ils vont employer, comment ça va aller, qui ils vont faire témoigner, font-tu faire témoigner quelqu'un tata tata mais cela étant, ça changera rien, monsieur Trump aurait pu faire n'importe quoi, c'est clair qu'il est majoritaire au Sénat, c'est clair que ça va mourir, c'est clair que c'est une perte de temps, mais c'est une grosse game politique. Pour mettre en place un scénario politique pour l'élection du mois de novembre. Et voilà. Rien. Et mon autre question était sur ça que même si on sait très bien que M. Trump ne sera pas destitué, est clair. mais est-ce que ça peut être un boulet jusqu'au mois de pas novembre 2020 où il y aura élection à la présidentielle pas des États-Unis? Lui, il est boulet, là. Il est pitch dans le monde. Il, 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 il est pitch en Iran. Il est Twitter. Okay. Il, 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 il est vraiment, là, c'est. Ça l'atteint pas, il a, il a le don de dénigrer tout le monde, comme là il était à Davos récemment, puis il dénigrait la petite Thunberg. Oui, garde... Lui, là, il y a, 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 vraiment... a, a. Lui, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien, rien, rien d'impossible. Et le problème, c'est comment on fait pour l'atteindre? Euh, de façon politique, je ne sais pas, je ne peux pas voir qui va l'atteindre, puis je peux pas voir non plus qui va oser se présenter contre lui. C'est ça qui va arriver exactement. Enfin, c'est clair que pour moi, ça va être le prochain candidat du Parti Républicain. Et j'ajoute à ça, écoutez, je vous dis, mon petit doigt, le vôtre, le mien, le nôtre, le, tout le monde, c'est clair, je peux même pas voir actuellement. Là, je suis la politique américaine, comme vous avez si bien dit au départ. C'est vrai. Je regarde qui se présente pour les démocrates. Écoutez, M. Sanders a 60, euh, presque 80. Il y a soit des 16 ans ou ça. Euh, Biden, beau. il n'y a pas une chance. Euh, la madame non plus. Gardez-moi, je regarde ça aller, là, puis je me dis. Pff. Puis qu'on tire un boulet rouge sur le président des États-Unis. Ça y fait de la pub. Exactement. Puis quand on regarde dans les sondages, et depuis quelques années, c'est entre 45 ouais. et 48 il joue là-dedans. Mais quand on sait fort bien qu'à 45, 46, 47 il est élu. Et, 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 est élu. et, et je vous dirais, et là je, je termine là-dessus, la seule façon, parce qu'aux États-Unis, contrairement au Canada, Okay. Au Canada, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste électorale. Vous n'avez pas, vous, à aller à toutes les élections, vérifier si votre nom est sur la liste. On va vous aviser si, eh bien, si vous décédez, il faut okay. la veiller. On okay. là, Aux États-Unis, contrairement à, au Canada, puis au Québec, bien évidemment, là, il faut que vous vous inscriviez sur la liste électorale. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne votez pas. Alors devinez donc qui s'inscrit, c'est tous les républicains, <laughs> oui, c'est clair, ils font ça eux autres à toutes les élections, dès que l'élection est finie, ils se réinscrivent tout de suite, c'est fini, on reste à temps. Mais les, démo... les démocrates, avec surtout tous les noirs, les latinos, les... tous ceux qui viennent de... Eux autres, ils pensent pas à s'inscrire. Puis là, ben il faut que tu les La dernière fois où on a eu un rod-marée pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est quand un certain Barack Obama s'était présenté. Et ça, voilà. ça fait, hélas, trop longtemps. Et voilà. J'ai bon. fini. Bon. Fait qu'on n'a pas fini de voir M. Affaire. Trump comme président yeah. des États-Unis. oubliez ça. Deux dossiers qu'on va passer très vite parce qu'il va y avoir quand même de gros dossiers chauds au provincial en 2020. Ah ouais. Monsieur euh, Legault n'a quand même pas oh. fini. Non, euh, ouais, ça de, va bien. De, euh, oui, ça va bien. Avant la fête, on le disait, hein, ah ouais. payez-vous des vacances parce que... Il y êtes, en a qui etc. en ont pris. Il y en a qui Il y ont même pris. Mme Guilbault qui, qui a touché ah récemment. Voilà. La a première le ministre. ministre c'est parfait. Tout va bien, Mme Meillard-Démon. Alors, mais je pense <laughs> que les deux gros dossiers, pareil, en 2020, il va s'en rajouter d'autres. Mais les deux gros dossiers en 2020, est-ce qu'on peut dire que là, ça va être la réforme de l'immigration ah, qui clair. va être refaite? Apparemment, M. Jolin Barrett euh, <laughs> a fini sur sa table à dessin, qu'on nous a dit. C'est pas mal euh, à jour. Sauf qu'il a fait des corrections énormes. Nous dit-on. On va okay, voir ça. voir ça. De ça, ça parce que mes contacts me disent que ce n'est plus la même chose, mais plus du tout, du tout, du ça. tout. Et il devait le faire, il l'a fait. Puis, il y a aussi la réforme des commissions scolaires de M. Roberge qui est loin d'être passée. On parle de de euh, maternel 4 ans c'est correct, ça, on oublie scolaire, ça. Les oui, mais, qui mais par contre l'abolition des commissions scolaires, c est, c est ça, ça. ça c'est loin d'être fait puis il semble pas contrairement à à ses autres euh, collègues de, de la CAQ qui, qui peuvent reculer, M. Barrette l'a fait, M. Jolin-Barrette l'a fait, on recule, M. Monsieur, monsieur, euh, euh, Legault l'a fait. Lui, il semble pas vouloir ben, reculer. Lui, ben, il a dit, c'est ça, c'est ça, ben, maternelle 4 commission scolaire, on les abolit, etc., etc. Il semble pas vouloir écouter personne. Mais il n'écoutera pas pour une simple et bonne raison, c'est que le mandat du gouvernement... Il y a l'appui de M. Legault. Puis M. Legault, il a dit, c'est ça que tu fais. C'est bien de volant. Oui, parce qu'on l'a que... dit en campagne électorale. Ben, c'est clair. Puis c'est dans le programme du Parti de la CAQ. Donc, c'est clair qu'à partir de là, il faut absolument, puis il a le droit, puis il faut qu'il le fasse. Martinelle, la maternelle 4 ans, c'est tel que tel parce que c'est en train de prendre forme. On l'a vu en début d'année. Ça a oui. commencé, ça... Bon, il y a des bouts de ça, ça ça aussi. Bon, si mais l'autre, oui. la réforme de l'éducation avec l'abolition des commissions scolaires. Bon, les commissions scolaires vont devenir quoi? Un club sélect, je sais pas trop. Un, un comité euh, régional. Par par Québec, Québec. Québec. Ça, ça m'inquiète. Oui, moi aussi. Parce qu'ils l'ont fait avec la santé. clair. On voit le désert ce que ça a fait. On, on voit ce que ça a oui. fait. Ça, c'est le, 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 le. Ça, c'est pour le dossier de M. Robert. Il va avoir d'ouvrages à faire. L'immigration, bon, on l'a vu là en début d'année, ça a été le bordel parce ah. qu'il y a des immigrants. Pour la réunification des familles. Mais il va falloir qu'ils trouvent une solution, c'est clair, parce qu'on voulait mettre tout le monde sous le même pied, que oui. la personne qui est en Abitibi, à Rwanda, au ou en Ouanarandor, Valdor ou Alassane, puisse avoir la même chance que celui qui est à côté du bureau à Montréal. Oui. Donc, on a dit ça prend des coursiers, puis là, c'était compliqué, ça a été le bordel. C'est vrai que ça pas a été le bordel. C'était complètement le bordel. Oui. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que dans l'ensemble actuellement l'immigration au Québec est bien contrôlée on va accepter de nouveaux immigrants c'est clair mais des immigrants qui vont accepter les valeurs québécoises des immigrants qui vont apprendre le français des immigrants qui vont s'intégrer probablement dans plusieurs régions du Québec on souhaite parce que nous autres on se regarde dans la région, mmh. là, on en région et c'est clair qu'on a besoin oui. et et ce qu'on souhaite également c'est que ces immigrants là ne soient pas juste de passage ça que le camp puis ils s'en vont en, en Ontario ou ils s'en vont en Colombie-Britannique ou ailleurs cela étant, moi, je vous dirais, oui, vous avez raison sur ces deux dossiers-là, l'immigration et l'éducation, euh, mais je n'oublierai pas la santé et surtout, puis moi, ce que je vais surveiller de très, 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 très près, c'est le prochain budget de M. Girard. Dans quoi le gouvernement du Québec va-t-il va investir? Injecter de l'argent. Oui. Voilà, et, et parce que là, le gouvernement du Québec, il a de l'argent plein poche. L'économie va très bien, il y a eu des rentrées d'argent intéressantes. Et là, dans quoi ils vont réinvestir cet argent-là? Moi, c'est ça que je vais parce surveiller tout près parce tous les ministères là, ont la langue ah. longue de même, ah. puis qu'ils regardent le ministre des Finances, puis ils regardent le conseil du Trésor, ils disent yes. Hey, Vient tu ne m'oublies pas. La justice, euh, je suis un de ceux oui. qui en a ben, parlé. La justice, c'est clair. L'aide juridique, regardez, c'est clair. Puis je pourrais vous en nommer d'autres, oui. là, en masse. Oui. Euh, les agents de la faune, la CEPAC, si on touche notre région ici, de domaine là, ça. de Mme Blé prochain Et voilà. Prochain voilà. Ça, c'est quand même quelque chose. De... Alors, dans quoi les ils vont. Les années aimer... prochaine Mais ça, c'est clair que ça va être à surveiller. Moi, j'ai hâte de voir, parce que c'est au mois de mars. Oui. La session parlementaire reprend au mois de février à Québec. Même chose à Ottawa. En attendant, M. Trudeau se fait pousser à la barre. Bon, OK. Excusez, <laughs> ça m'a fait du bien. Euh, je n'irai pas sur ce sujet-là parce que quand je le regarde à la télé, je vais m'abstenir de faire Quel des homme commentaires. C'est son nouveau déguisement. <laughs> ah, oh, oh, OK. Oui. Alors, il s'est déguisé en. Okay. <coughs> Mais en un seul... homme plus sage. Ah, il est plus sage, c'est est correct. Est-ce qu'il est aurait compris un certain message donné euh, au mois d'octobre? Moi, moi je pense que oui. Oui, OK. Ben, euh, ben, en tout cas, il est bien je entouré. Je pense que. Oui, il est mieux entouré, ah il ouais, est mieux ouais. conseillé. Puis je pense que là, il, y a, les ouvertes, il y a les oreilles ouvertes, beaucoup, parce que là, et... j'espère qu'une bonne fois, là, après le, le scrutin d'octobre passé, il s'est assis dans son salon ou dans son fauteuil ou dans sa chambre, peu importe, puis qu'il a dit « Je pense qu'il essaye de me passer un petit message. » Mais moi, population. je pense qu'il a compris le message, puis je vais aller plus loin, puis je ne veux pas aller plus loin, là, parce qu'on a d'autres sujets, mais c'est clair, clair, clair que M. Trudeau est mieux entouré qu'il l'était. Et deuxièmement, il est beaucoup plus en retrait qu'il l'était oui. depuis le 20... Depuis, depuis... La nomination de son conseil des ministres, il est beaucoup plus en retrait, il n'intervient, puis là il laisse aller ses ministres. Mme Freeland, oui. M. Garneau, nommez les toutes. Il les end... cetera, M. Champagne, oui, Champagne, nommez les toutes. Un gros ministère. Ah, nommez les oui. toutes. Oui. Là. Il lui laisse de la manœuvre et lui il n'intervient que sur les gros grosses affaires. L'exemple, bien évidemment, l'avion de, de l'Ukraine oui. Airlines qui s'est écrasé avec énormément Désastre. de personnes iraniennes qui étaient à bord. Voilà. Donc ça il est intervenu bang. Euh, mais euh, je Mais termine là-dessus. Là. Il est ministre. pas allé à Davos? Non. pas lui qui est allé? Non, exactement. C'est le fun, ça. C'est un monsieur... Un champagne. Champagne. Et, et, que, et que Mme Prulente était là aussi. Oui, exactement. Et oui. M. Champagne, moi, je, je le regarde aller. Puis, euh, je trouve que c'est un homme vraiment, vraiment, premièrement, très sympathique. Et deuxièmement, il, il paraît pas d'un homme dur, mais c'est un homme avec de la poigne. absolument Et ça prenait un homme de même pour, Je vais vous dire, là, là, je regarde, je regarde là, le cabinet ministériel de M. Trudeau. Là, M. Lametti à la justice, c'est lui qui, qui c'est lui qui, a régler, qui va régler le droit de mourir dignement. Oui. Euh, c'est lui qui va régler tout le dossier de la, à la Cour suprême sur, sur plusieurs affaires. Et, et, euh, non, Bon, c'est. Moi, euh, vous dire, c'est. En tout cas, moi, depuis, depuis. Je vous dirais, depuis le cabinet ministériel, le mois de novembre, là, il a présenté oui. son cabinet le 2 novembre. Là. Bon, depuis ce temps-là, M. Trudeau est plus en retrait, il laisse aller ses ministres et j'ai l'impression qu'il est très, très bien entouré. Bon, voilà. Merci. Alors, il y a eu un message de la population, puis là, je pense qu'il l'a compris. Absolument. Parce que. 18, 20 mois, c'est vite passé. <coughs> puis il veut être élu, là, puis il veut être majorité à la prochaine élection. Là. Oui, exactement. Euh... Puis comme on dit dans notre bon vieux langage politique, au moment où l'on se parle, c'est vrai qu'en politique, le temps passe très vite. Oh, oui. Puis la prochaine élection est pour demain, on le sait. Puis euh, au moment où l'on oh. se parle, avant que le Parti conservateur, que le Parti vert, que le. NPD. Le, que le NPD ait un chef qui soit bien en selle, ça prend au moins 18-20 mois. On parle d'une élection pour peut-être dans 18-20 mois d'ici. Fait que si on fait le relais entre les 18-20 mois, on. Ben on va ben vous parier, que... moi-là, là, Novembre 20, euh novembre no 21, novembre, novembre 21, 2021, 2021. Ouais, pas okay. an. Un Trauille... Un et demi, c'est ça qu'on disait, ou environ. Très 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 surprenant. Et puis là, c'est un peu, mais je pense que déjà, M. Trudeau a euh, fait ses flûtes, comme on dit, pour. Cet an-là. Ouais. Puis il s'est dit que. Là, les... Et là, il rit dans sa barbe, c'est le cas de le ouais. dire. Les... Quand il regarde ce qui s'en vient avec l'élection à la chefferie du Parti conservateur. Ah, ben, hein. Exactement. Eh, mon Dieu, oui, oui. Ah ben, ça me tente quasiment qu'on en parle tout de suite. on ah, va ouais. en parler tout de suite de cette fameuse course à la chefferie. J'avais euh, Du Parti conservateur, ah, parce ouais. qu'il y en a quand même plusieurs. Hein? Oh, puis oui. nous, au Québec, il y en a partout. Ouais. Course de la chefferie, Parti conservateur. Euh, J'avais toute une belle, une belle série de questions pour vous, mon cher Marc, mais ça va de, de, de rentrer, de rentrer, de rentrer de en onde ou de presque de M. Charret qui oui, décide oui, oui. que lui, il n'y va plus. Voilà. Mais ça, là, une chose que je me demande, t'sais, parce qu'il y avait... Peut-être pas de place pour deux gros noms au Québec à la chefferie du parti conservateur. Ouais, mais... deltel Charrette. Ouais, je... Est-ce que Monsieur, pour... non, non, mais est-ce que Monsieur deltel a décidé, non, moi je n'y vais pas parce que Jean va venir. Puis... Non. Non. Est-ce ah, que non, ça a une certaine influence plus... ah, pas Non, tout. du tout. Ça a été beaucoup plus simple que ça. Ok. Ça me prend 300 000. Oh oui, ça, c'est énorme. Ça me prend 300 000, puis ça me prend 3 000, 3 000 signatures. Attends un peu. 3 000 signatures dans cette province. Oui, oh, oui, oui. Oh, oui, parce que là, on parle d'énoncer à l'autre. Oui, oui, ça, là. Oublie ça, oubliez ça, fini ça, là. C'est clair que Gérard Deltel, lui, là, lui, il est très connu au Québec, mais il traverse pas la frontière de là. Je veux dire, quand il est rendu à Ottawa, voilà. ça, ça va, ça va, il va pas plus loin. Non, là. non, non, non. Puis, non il n'a jamais eu la chance d'être ministre. Oubliez ça. Non, non. Actuellement, c'est clair, le départ, la, la, la non-annonce de M. Charret, en fait, il a décidé qu'il a la pas suite à ce qui s'est passé avec Bibo à la Cour oh, suprême. Oui, exactement, là. oui. Alors, là, lui, il va attendre, mais M. Charret... Il ne va pas. Donc, il n'y aura pas de Québécois dans la course. Ça, c'est déjà pas pire. Deuxièmement... Déjà pas pire, si... dans quel sens? M. Trudeau, moi, okay. là. Je suis okay. toujours resté avec M. Trudeau. Okay. C'est Alors, oui. lui, là, il attend deux choses. Je dis M. Trudeau, mais... Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir probablement M. Peter McKay ben, pas probable. Vous allez l'avoir, c'est sûr. Madame Gladieux. Vous allez l'avoir. on la connaît pas, c'est pas grave. Après ça, M. Poiliev, lui, c'était... Rappelez-vous, c'était le secrétaire parlementaire du premier ministre, c'est lui qui répondait de façon insignifiante aux questions à l'Assemblée à la Chambre des communes quand le gouvernement était minoritaire Puis que M. Harper était parti prendre une bière en ville, là, okay. ou un, un café au Timorton. Okay. Alors, c'est Poiliev qui répondait, moi je l'ai dit à mort. Euh, <laughs> non, mais je regardais, C'est assez que pr je prends de ma carte. Nous autres, les, le bloc, là, on l'aissait. Il, il répond, non seulement il répondait pas, mais il était avant. Okay. Okay. une arrogance incroyable. Parce que je, moi, ah. je ne le connais pas, vous, vous le Ah oui, ouais, ouais. bien ouais, On, dit. on a eu dans l'a eu d'enfance. Okay. Et là, au moment où on enregistre l'émission, je ne sais pas, vous ne le savez pas. Est-ce que Rona Ambrose va y aller? Oui, Ça, ou non Ça, c'est un point si, qui est très important. Si elle y va, là, que... que... on reste dans une course. Entre Poilièvre... Pit, entre Poiliev, Peter McKay, puis Mme et... Ambrose, merci beaucoup, bonsoir. Bon, okay. Les autres, que... euh, allez prendre la bière. Bon, Vincent Guiseau et, et, et ah, compagnie, ben, ça ne ben, rentre pas d'abord. Ben, ben, oublie bien. ça. Okay. Oubliez ça. On a Ambrose, M. Poiliev, ouais. Peter McKay. Ouais. Okay. Bon, on s'en va là. Bon. On dit entre parenthèses Il y a ces trois là ouais. à la chefferie. Okay. D'après vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une course à deux? Peter McKay, Rona Ambrose. Non, mais ça non, va être à trois. On inclut ah, oui. M. Pierre-Yavier, je ne pas une minute, pour une simple et bonne raison, c'est que n'oubliez pas qu'il était secrétaire parlementaire de Stephen Harper. Oui. Il est collé sur Stephen Harper, même si Pierre Stephen Harper, Harper a déjà encore beaucoup d'influence. Encore très beaucoup d'influence. Alors, non, ça va être une vraie et lutte à trois. Je pense que M. Harper, si M. Charest était venu sur l'Iran, il aurait eu des gens. Ah, c'est clair. Il est clair, une... clair. solide en plus de C'est clair, mais il n'y a personne qui arrivait à cheville de M. Monsieur, de monsieur, euh, Charret un... dans un débat par ses bilans, connaissant le Canada. on l'oublie, Est-ce Est-ce que ça peut être partie remise pour M. Charret? Jamais. C'est fini. OK. lui c'est fini. Sa carrière politique est terminée. C'est terminé. On est le, on est le mercredi... lundi 21. Le mardi 21 janvier, sa carrière politique est finie. C'est okay. clair. C'est beau. Fait que... Moi, je verrais très bien Mme euh, um, Ambrose. Ambrose mais, mais, Mme Ambrose, ça va être intéressant. Mais je vous dévoile un petit secret de la confession. C'est mm -hmm. pour ça que je souris dans ma barbe de M. Trudeau. Okay. Que, au cas où vous ne le sauriez pas, au mois de décembre, les rumeurs. Hein, vous savez, vous, ah, vous, vous, vous avez vos rumeurs. contacts, moi ah, aussi. Oui, J'ai une couple ça. de contacts <laughs> aussi. Oui, okay. euh, euh, un de mes bons, bons, bons contacts sur la colline parlementaire m'a dit que M. Trudeau aurait offert le poste d'ambassadeur à Washington ou à l'ONU, à Mme Ambrose. Ah, bien, regardez-nous ça. Ça, là je, je ne la savais vous avez, pas. vous m'avez pas Vous, vous m'embrassez le là. OK. Une, hein? <laughs> OK. Alors, ah, okay. est-ce que tu es en train de réfléchir à ça? Est-ce que, est que quelqu'un. Elle, son principal appui actuellement, c'est Jason Kenney, le premier ministre ouais, de l'Alberta, qu qui l'a voué dans sa soupe, là. Oui. Regarde, il aime à mort, puis bon. Ah, ben, les, les trois, les trois, Peter McKay, Ronan Bros et Pierre Poiliev. Euh, Pierre Poiliev est parfait bilingue. Bon, euh, j'ai eu oui. sa, sa façon arrogante de parler en français, mais c'est pas grave. Ronan Bros a de la difficulté. Oui, je l'ai entendu difficulté. à quelques reprises. Oui, oui. Peter McKay a de la difficulté aussi, même s'il si était ministre de la Défense. S... Mais, 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 mais là, ça prend quelqu'un de parfaitement <laughs> bilingue. Oubliez ça. J'aurais pas ça. J'aurais pas ça. Le Parti conservateur. Et surtout, je termine. Je termine. Personne du Québec. Ça, là, ça M. Trudeau, du Québec, là, M. Trudeau là, lui, là, comme vous avez bien dit tantôt, et... là, il y a une barbe, puis en ah. arrière de la barbe, là, il doit avoir un petit sourire narquois. Puis n'oubliez pas, il n'y a personne là. de l'Ontario non plus. Même si, Peter, même si Pierre Poilier vient de, de l'Ontario, il ne vient pas de l'Ontario, il reste à Ottawa. Okay. <laughs> il est collé sur Ottawa, là, je ne sais pas quel comté, là, mais okay. je pense qu'il n'est jamais allé plus loin que ça, lui-là, là, parce qu'il était toujours sa colline parlementaire. Fait que, non, 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 ça va être, être C'est en juin, ça, au je pense? En juin. Okay, c'est en juin. 27 juin. 27 de juin, oui. Ouais, ouais. Bon. Fait que là, mais moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir euh... Euh, ces trois personnes-là qui devraient mais annoncer leur candidature. Astor, est-ce que pendant qu'on parle euh, aujourd'hui, ce soir, est-ce que quelqu'un a annoncé sa candidature, je serais extrêmement surpris en provenance du Québec. Je peux même pas voir. M. Fortier, Michael Fortier, non, non, qui était sénateur, il ne va pas. Gozzo, il va plus, pas. Non, non, il n'y il 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 euh, euh, en a plus, là. Je non. Dire, c est, c est, non, non, c'est clair. Bon. Euh, fait que course à prix, on va arrêter ça là. Oui. Puis, euh, parti vert, bien là. Partie La quoi? Parti vert, c'est quoi ah, le Parti vert? En tout ah, cas, il n'y a plus de chef actuellement. Le NPD est en train de refaire ses forces. Jack Mitzing, lui, il a besoin d'être là, puis il est là, puis il va surveiller ce qui va se passer. Au... Mais oh. lui, oh, euh, oh, il, va, oh, il va être là. Ah, ouais, ouais, C'est clair, clair. On va aller euh, au Québec d'abord. Au Québec, le euh, Parti libéral. Euh, le quoi? Ah oui, le Parti, Parti libéral. Bien ouais, là, il y a deux candidats. Il y a M. En fait... Arcand qui dirige quand même ça assez bien, mais il ne va pas être chef, c'est ça? D'ailleurs, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est par intérim actuellement. Fait que tu ne peux pas être par intérim et aller à la, à la course à la chefferie, tu ne peux pas. Mais seulement qu'il reste un fait que ça se bouscule non, pas. Non, à il porte, y a Mme là. Anglade et il y a Madame il Et puis euh, M. Cusson, je pense oh, oui, le, le ministre oui. de la Défense. Madame Anglade. Non mais lui, Mme, lui, il se prononce sur revoir, Cusson. Hein, c'est ça. Puis ce qui est désolant là pour le Parti libéral, c'est qu'il y a 28 000 membres, ils ont, ils ont déjà eu bon. 280 000 membres. Regardez, là non plus, là. moi, j'ai fait mes devoirs, mon oh, cher M. Marc. Okay? On dit que le Parti libéral n'a plus que 20 000 membres, il en avait 200 000 ouais. en 1980. C'est vrai. Le Parti québécois, lui, en avait 47 700 l'an dernier et il en avait 280 000 en 1981. C'est vrai. Les deux partis qui Ont été lessivés par la CAQ et qui comptait à peine 11 500 membres un an avant sa victoire. Ça, là, ces chiffres-là, ça dit énormément de choses. Ben, ça dit que. Le S, ça dit, moi, ça me dit une chose sur laquelle j'ai commencé à réfléchir. Ça me <laughs> dit que les cartes de membres d'un parti politique, c'est pas mal fini. La CAQ, là, m'excuse, ils n'ont pas vendu bien, bien des cartes de membres, là, durant, durant la dernière campagne non, non, absolument pas. Alors, il, il va falloir retrouver une autre façon peu importe le parti politique, pour essayer de, de, de rameuter ou de ramener de, du monde dans notre giron, qui serait des supporters, des sympathisants, etc. etc. Ça, pour moi, là, il y a... On aura l'occasion probablement d'en reparler. Mais c'est très inquiétant pour des partis politiques, entre guillemets, des vieux partis oui, politiques, exactement. que ce soit le Parti libéral ou le Parti québécois, qui a toujours eu, des, des, vous, vous dites, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de membres, oui. qui là se retrouvent en bas, en, dans la dèche, mm. et pour aller chercher, parce que j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas préparé le la futur. Relève. La relève. La relève, voilà, exactement. Voilà. C'est en plein sens. Parce que quand on parle c est, c est que le Parti québécois... Il est rendu à 47 600 membres l'an dernier, mais il y en a déjà eu 280. Ah, C'est une. Excusez l'expression un drop, là, mais C'est ah une, une baisse. C'est une baisse énorme. Pis, pis... Ça veut pas dire que les membres entre guillemets du PQ sont allés à un autre parti. C'est pas vrai. Ils n'ont pas pris de carte de le membre. De carte Même point. Québec Solidaire a de la misère. Alors ils se posent aussi eux, eux également des questions afin de savoir c'est quoi l'avenir, comment on va faire parce qu'on n'est plus capable. J'ai pu. Gaby Lacasse là, il est plus attaché à un parti politique comme il était dans le temps. Mon, mon père était libéral, mon grand père était libéral, okay. Ma oui. mère était libérale Ils sont au ciel là, ils ne pourront pas dire le contraire. <laughs> dire, mais, mais, mais tout okay. le monde était libéral de père en fils ou de fille en mère ou de mère en fille puis c'est plus comme ça, ça. c'est ça. Ça. fini c'est fini se dire aïe hey, mon fils moi là j'ai voté libéral il faut que tu votes libéral ah, aussi non non non, 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 non. non. vas-y aïe hey, papa hein. OK non, non, non. moi ça moi, moi, moi je vote pour l'environnement OK voilà. Une question, il reste une minute. OK, go. Une question que je vais absolument vous poser. Harry et Meghan. Harry ah, et, il Meghan. Une Harry, oh, Harry, lui, et Meghan. Harry et Meghan. Harry et Meghan. Est-ce qu'on doit ben payer vos eux Il y a une limite. Ah, jamais. Pas, pas de budget pour eux Jamais, 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 jamais. Aye, on est d'accord pour La, la sécurité, la sécurité. Le problème, c'est que c'est la famille royale qui fait partie, nan, puis que là, la sécurité doit être. Mais selon moi, ça va être une sécurité maintenue au minimum. Puis ils vont nous aviser d'un déplacement, puis c'est GRC qui va gérer le show. Mais, mais, euh, ça. Mais... Mais on parle d'un million au-dessus par année oui. pour, euh, pour leur sécurité. Oui. Ça serait-tu le temps de sortir de la monarchie, à ce oui, moment? Oui, mais pensez-vous comment. Il y a encore, il y a une ligne monarchiste au Québec, je savais même pas. Il y en a une, en Ontario une énorme. Il y a d'autres, beaucoup, beaucoup sont attachés à la majesté. Oui, là. Ça c'est sûr et, et certain. Et c'est clair, clair, clair. Alors c'est ah, on fait partie d'un Commonwealth Britannique et que voulez-vous que je vous dise? Il n'y a pas beaucoup de solutions. <laughs> mais ça hein. prend, comme on dit, ça prend, ouais. excusez l'expression, mais là, il me fascine qu'on n'a ouais. même pas le thème. Félic. Je, je, je l'ai peut-être dit. Dire... Vous alliez dire quelque chose je, qui aurait été cru au montage. Voilà, temps. exactement. Merci d'arrêter Maître Marc, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous <laughs> savoir. On se revoit au mois de mars prochain. Merci bien. Ça me fait plaisir. Okay. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous de prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.